Bonjour la familia, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Hi la familia, hope you're all doing well. Welcome back to my channel. I'm Zaina from Cook Like Zan. Today I'll be showing you how I make my white beans with shred of bacon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes haricots blancs avec des morceaux de lard. Je vais commencer par vous présenter les ingrédients, puis on va passer à la cuisson. I'm going to show you the ingredients, then we're going to start our cooking. So for today, we're going to need white beans. I've put my white beans in water overnight so that my beans are softer, that it takes less time when I'm actually boiling it. J'ai trempé mes haricots hier soir. Je les ai laissés toute la nuit pour justement faciliter la cuisson, pour pouvoir permettre à mes haricots de cuire beaucoup plus facilement. Donc voilà, mes haricots sont trempés. So I'm also going to need red peppers, green onion, some celery. I have some celery leaves and a bit of sticks. Leeks. En français, poivron rouge, l'oignon vert, quelques feuilles de céleri, du poivron. I'm going to need some onion. J'aurai besoin d'oignons, d'ail, garlic, oil, l'huile, des feuilles d'origan, oregano leaves, du sel, salt, nutmeg, muscade, poudre d'oignon, onion powder, some vegeta, feuilles de laurier, bay leaves, some chicken broth mix, un mélange de bouillon au poulet, and some cube magie, des cubes magie. So we're gonna start. The first thing we're gonna do is rinse our beans. La première des choses qu'on va faire, c'est nettoyer ou rincer nos haricots. We've cleaned our beans. What I'm going to do is put my beans in my pot. On vient de nettoyer nos haricots. Je vais les mettre dans la casserole. And I'm going to add some water. I'm going to turn on my stove at high heat. Je vais allumer ma plaque à un feu vif. As you can see, I didn't put too much water. I put about 1 centimeter over my bean. Comme vous pouvez remarquer, j'ai pas mis beaucoup d'eau. On ne veut pas que nos haricots soient trop mous. Ok, on veut que nos haricots restent tendres et entiers. Comme vous pouvez voir, l'eau est légèrement au-dessus de mes haricots. Je dirais environ 1 cm d'eau au-dessus des haricots. I'm going to add a few bay leaves. Je vais ajouter quelques feuilles de laurier. And at this point, I'm not going to add anything else. I'm going to let it boil for at least 20 minutes before we come and do anything else. À ce niveau, je vais juste laisser bouillir à feu vif pendant au moins 20 minutes, rien qu'avec des feuilles de laurier, pour donner une bonne saveur à nos haricots. And we're going to cover. On va couvrir. Alors, entre-temps, pendant que nos haricots sont en train de bouillir, on va faire sauter quelques légumes rapidement. So, while our beans are boiling, I'm gonna sauter some vegetables. Okay, so I turned on my heat. I'm gonna put some oil. I like frying my vegetables before I add them to my beans. J'aime frire mes oignons. Enfin, frire mes légumes. J'aime frire mes légumes avant de les mettre dans mes haricots. Donc voilà. Un peu d'huile. I've added oil. I'm going to add my onion. J'ajoute les oignons. I added some garlic. J'ai ajouté de l'ail.
quand mes oignons commencent à se caraméliser comme ça là, when my onion is starting to brown, I'm gonna add the rest of my vegetables. So I have some leeks, j'ajoute des poireaux. I have celery leaves, des feuilles de céleri. Green onion, des ciboulettes ou l'oignon vert. Et finalement, un peu de poivron rouge. Finally, a bit of red peppers. So I'm gonna mix all this at low heat. So we're just gonna fry our vegetables while we're waiting for our beans to boil. I forgot to mention we're gonna need tomato sauce. So I have homemade tomato sauce. I have a recipe in my channel. I'm gonna leave the link right up here. Alors, j'ai oublié de mentionner que bien sûr, on aura besoin de la sauce tomate aussi. La sauce tomate faite maison. J'ai une recette sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien là-haut. Donc, on va faire frire nos légumes pendant que nos haricots sont en train de bouillir. J'ai changé de plaque parce que cette plaque va beaucoup plus vite. Quick boil. Oui. Donc, gardez votre couvercle à moitié ouvert parce que ça va faire des dégâts bientôt. Oh, 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 oh. Voilà. Pour éviter d'avoir des dégâts pendant que votre eau est en train de bouillir, je vous recommande d'enlever le couvercle parce qu'à un moment donné, ça crée de la mousse et ça déborde. Donc, when your water starts to boil, please remove your pot cover because at some point, when the water boils, the water is going to come up and it's going to spill on your stove and make a big mess. You don't want that. So I would say while your beans is cooking, turn it from time to time. Donc, tournez vos haricots de temps en temps pour éviter d'avoir un volcan. Une éruption de volcan, si je peux dire ça comme ça. To avoid having a volcano eruption, make sure you leave your lid off and then turn it from time to time and lower your heat to medium. In the meantime, I'm done with my vegetables. So I just saute them for about 5 minutes and I'm going to leave it aside. Donc, on a fini de sauter nos légumes. Je vais juste les laisser de côté en attendant que nos haricots soient cuits. I didn't show you the bacon. Here's the bacon. So what I did is I'm just going to cut it into small cubes, just like that. On aura besoin du bacon. On aura besoin du lard aussi. Donc, voilà comment je coupe mes morceaux de lard. En petits cubes comme ça, là. I said we're going to leave it for 20 minutes, but make sure you turn from time to time, okay? Make sure you turn it from time to time to be sure that everything is boiled properly. J'ai dit qu'on allait laisser pendant 20 minutes, mais bien sûr, de temps en temps, vous tournez. Vous pouvez tester à ce moment pour voir si vos beans, si vos haricots sont un peu tendres, sont encore durs. On va attendre encore. You can taste and see if your beans are starting to soften. Okay, it's been 20 minutes. As you can see, my beans look a bit softer. My beans are softer. I can actually squeeze it. Okay. Ça fait 20 minutes. Mes haricots sont tendres. Alors à ce niveau-ci, je vais ajouter tous mes ingrédients. Okay, so we're gonna start our vegetables. So we sauté our vegetables. Je vais ajouter mes légumes.
maintenant, I'm going to mix. My heat is at medium right now. Mon feu est à medium. I'm going to add a bit of water. On va rajouter un peu d'eau. And now I'm going to add all my dry ingredients. Je vais ajouter tous les ingrédients secs. Un peu de végéta, a bit of végéta. Un peu de bouillon de poulet. A bit of chicken broth. Oregano leaves. Un peu de feuilles d'origan. Vraiment un tout petit peu. Half a spoon. Poudre d'oignon. Onion powder. Nutmeg. A bit of nutmeg. Un peu de muscade. Vraiment un peu de sel. Like une demi-cuillère de sel. Half a spoon of salt. We're going to taste for the salt at the end. Ma cube magie. Mon cube magie. Ma homemade sauce tomate. La sauce tomate faite maison. A bit of oil. Not too much. And my bacon. Je viens d'ajouter des morceaux de lard et on va tout mélanger. We're going to mix everything. While we're letting our beans boil for another, let's say 10 minutes before we check it, I'm actually going to need one more herb for my beans. So let me go to my garden and harvest my herb. En fait, j'ai besoin d'une autre herbe pour mes haricots. Alors, je vous amène avec moi dans mon potager, comme ça on va les récolter. On y va. Voilà, on a besoin des feuilles de basilic frais pour nos haricots. Here we are, we need some fresh basil leaves. I'm just going to wash it quickly and then I'm going to add it to my beans. I'm going to leave it like this. So that I can remove it easily. Je vais les laisser entiers comme ça je pourrai les enlever facilement à la fin de notre cuisson. It's gonna give our beans a good taste. Il aura une bonne saveur. Make sure you check your beans and turn it slowly, delicately. Tournez vos haricots délicatement. Vous ne voulez pas les écraser. OK. I'm going to add a pili, chili bonnet. OK, 10 minutes plus tard, on va checker nos haricots. 10 minutes later, we're going to check our beans. Look how delicious it looks. Again, when turning, just turn in the middle slowly. Mélangez délicatement pour ne pas écraser vos haricots. So, I'm going to taste. Je vais goûter. Ok, je trouve que... So, I just tasted. I think I'm going to add a little bit more spices. I'm going to add a little bit more bouillon de poulet. I'm going to add a little bit more chicken broth. So again, at this point, you add as per your taste. Ajoutez vos épices selon votre goût. I'm going to add a bit of salt as well. Just a little bit. And I'm going to add a little bit more végéta. J'ajoute encore un peu plus de végéta. Okay. And you can add a bit of oil. Add your spices to your liking. Ajoutez vos épices selon vos goûts. Again, our beans is on low heat. Low to medium heat. Notre feu est à un feu moyen. 5 minutes plus tard, nos haricots sont presque prêts, donc faites attention. Goûtez et vous assurez que les haricots sont bien tendres. So at this point, it's been 5 minutes. It's been 5 minutes later. I'm just gonna
taste. Our beans are almost ready, so make sure to taste it. See if you need more spices or if you want to add anything else. At this point, you do it. Check your beans to see if it's nice and tender. And if it is, turn off your stove and you can eat. So I'm going to taste. Beans with bacon. Look at this shred of bacon. You can eat this with rice, with banana plantain, with fufu, with kwanga. It's really good. Vous pouvez manger ça avec du riz blanc, avec des bananes plantain, avec du fufu, avec des hachis kwang. Vraiment, c'est très très bon. Alors, on va goûter. Les amis, oh my god, this is delicious. Trop bon. I give it a 10 out of 10. It's a success. I said I was going to remove the basil leaves, but I think I'm just going to leave it in. Guys, my beans are ready. I'm going to turn off my stove. It's ready. I'm going to let it cool down a little bit and then serve. Look at this. White beans with shred of bacon. L'haricot blanc avec des morceaux de lard. Trop bon, les amis. Trop, trop bon. So here you go, guys. This is our white beans with shred of bacon. Voilà, nos haricots blancs avec des morceaux de lard sont prêts. So thanks for watching. I hope you like the video. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça va aider à ma chaîne de grandir. For those who are new, please subscribe, like, share, comment. And it's really gonna help my channel to grow. Thank you so much. Until next time, see you. God bless.